Si tu m'aimes, je sinon je suis perdue. De quoi? Tu as un yacht, nous sommes milliardaires. C'est moi? Oh, je fais tout ce que tu voudras, je t'en supplie, gaffe pas. André Hugues le Boisselier. Enchanté, monsieur. Ma femme. Les hommages, madame. Archibald Fergusson, mon père. Je vois que c'est à juste à titre que les enfants pensent le plus grand bien de votre fille, monsieur Fergusson. Oh, elle est adorable, positivement. Parfois un peu turbulente, mais très secrète aussi. Eh, mon cher Fergusson, puisqu'il est de fait que nos descendants sympathisent et forment groupe, oui. Qu'attendons-nous pour les imiter? Êtes-vous libre demain? Eh bien, écoutez, oui, c'est mon jour de repos. Non, je veux dire, je ne vais point au golf, je récupère. Nous organisons une petite partie, entre nous, les intimes et les enfants. Oh. Accepteriez-vous d'être des nôtres? Monsieur Fergusson, je me permets d'insister. Mais nous insistons tous! Si vous vous dérobez, nous vous boudons à jamais! Père sera ravi, et moi folle de joie. N'est-ce pas, papa? Oui. Non, je vais vous expliquer. Vous allez voir comme c'est bête, c'est mon smoking. Papa veut dire le dernier, celui qu'il s'est fait faire à Honolulu. Il ne les porte jamais plus d'une fois. Mais rassurez-vous, il n'est pas question de cela. Surtout pas de cérémonie, nous sommes en vacances. Ben oui. Be relax and be happy. Alors, vous dites? Be happy! Alors c'est dit, je compte sur vous demain 5h. À demain. À demain. Bon, voilà. Mais j'y songe, cher ami. Vous allez vous perdre, c'est affreusement compliqué. À ce prix seulement, nous avons le calme. Mais que faire, voyons. Papa déteste conduire. Oh, ça de plus en plus, de plus en plus. Christophe pourrait peut-être nous prendre. Mais avec plaisir, à votre yacht demain 5h, voulez-vous? Non, mais ami, vraiment. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas ce que c'est. C'est un cabane que vous avez là. Mais ça m'amuse de faire mon marché, vous savez. Ma petite popote sur mon yacht. De laver les 6 voitures pour me détendre. C'est follement gris, hein, vous auriez des rayons. Ben, vraiment, c'est demain, je lui ai promis. Au revoir. Il est capable de le faire, l'imbécile. Oh, papa. Bon, là, ça suffit, on va s'expliquer à la maison.